Je suis Stéphane Toziède, entrepreneur et vice-président de l'association Grand Est Numérique. Alors c'est une association de professionnels de la filière numérique sur le Grand Est. Pourquoi le Grand Est ? Parce que on inclut aussi le Luxembourg et des régions qui sont différentes des régions administratives qui correspondent plus à une réalité aujourd'hui des affaires et de l'économie pour développer et favoriser un écosystème lié au numérique dans notre région. Aujourd'hui, vous allez proposer votre première manifestation. Absolument, c'est un événement qui sera le premier du nom, qui a pour vocation à être maintenu d'année en année, qui va se passer sur Metz le 15 octobre et qui s'appelle Grand Est Numérique, Gen 1 en fait, qui est une sorte de journée remplie de tables rondes, remplie de rencontres networking, avec des zones pour les startups qui veulent pitcher leur projet, qui veulent expliquer leur projet en quelques minutes pour convaincre. À qui est destinée justement cette grande première ? Bien évidemment à tous les professionnels du numérique, mais également à tous ceux qui s'intéressent de par leur fonction, de par leur métier ou de par leur formation au numérique. C'est-à-dire qu'on est aussi ouvert au TSI, on est ouvert aux différents dirigeants, aux responsables de communication, mais également aux étudiants, puisqu'on a prévu d'accueillir des étudiants à un tarif privilégié. Quel va être le déroulé de cette manifestation ? Le déroulé, c'est déjà l'inauguration officielle de Grand Est Numérique, avec la présence d'institutionnels et d'élus, puis des tables rondes qui dérouleront toute la journée, avec des thèmes aussi variés que l'innovation et les tendances qui devraient nous arriver en 2014, l'open data qui est très tendance aussi et qui est un sujet très vivant en ce moment, la sécurité informatique, l'infrastructure, de quoi on a besoin dans une région pour développer un écosystème, le e-commerce, tout ce qui touche aux nouveaux besoins de ces e-commerçants, de logistique et toujours d'infrastructure, et puis également la communication, la presse justement, comment aujourd'hui le public et les professionnels consomment l'information, est-ce qu'il y a eu des mutations, est-ce qu'il y a des canaux différents aujourd'hui. Vous avez peut-être une fenêtre sur le net ? Pour une fenêtre sur le net, évidemment, c'est notre ADN, c'est grandestnumérique.org où vous aurez toutes les informations nécessaires. Pour terminer, on va rappeler peut-être la date et le lieu de cette manifestation. Absolument, donc pour la date, ça se passe très prochainement, le 15 octobre 2013. Et pour le lieu, c'est chez notre partenaire à Metz Technopole, le centre du CESCOM, dans l'amphithéâtre du centre du CESCOM. Alors l'adresse internet, grandestnumérique.org pour toutes les informations.